Nous rejoignons avec tous les coureurs de cette formation Festina que nous saluons maintenant. Je crois que c'est la première équipe qui nous rejoint. On lui réserve des applaudissements et des encouragements. L'équipe Festina, donc sur le podium avec Andy Flickinger. Souvenons-nous, il y a un an, le champion de France américaine avait réalisé une belle performance sur les routes de Paris-Roubaix. Une longue échappée pour ce coureur qui excelle sur la piste, qui brille également sur la route dans cette équipe. Nous retrouvons également Nicolas Reynaud, professionnel de première année. Il avait gagné notamment étape à la Ronde de l'Isard. Florent Brard, les professionnels. Il s'agit donc de Stéphane Auger qui a gagné. Vrai qu'il y avait la motivation. Heuser, il y a également la présence de l'Américain David Klinger, joigné sur le podium. Nous rappelons que c'est à 10h20 que nous aurons l'appel des concurrents. La présence souhaite ne pas avoir. On peut applaudir le coureur kazakh, Oleg Kozlitin, de l'équipe Saint-Quentin-Octos, ravi d'être au départ en recrutant à l'intersaison Bobby Julik, le coureur américain qui avait terminé troisième de l'épreuve en 1998 derrière Pantani et Ulrich et Vogters. Mais il y a maintenant les coureurs spécifiques de Paris-Roubaix. Là, nous accueillons Vincent Templier, ancien maillot jaune des Tours de l'Avenir. Nous sommes avec Jean-Michel Tillouat qui a gagné le Trobre-Léon, qui emprunte en Bretagne des secteurs pavés. Nous avons également dans cette équipe la présence de Gungaras. Du Tour, le coureur australien a découvert le cyclisme par Paris-Roubaix. Sébastien Hinault qui vient de terminer quatrième du trophée Pentalica. Jérôme Neville nous a rejoint. Nous retrouvons Magnus Backsted qui a déjà terminé septième de Paris-Roubaix derrière Pierrick Fedrigo qui a gagné étape à la Ronde de l'Isard et aux régions italiennes. Torresov, le coureur norvégien, vainqueur de Paris-Roubaix Espoir. Et pour saluer son fan club, Franck est le meilleur, c'est ce qu'il souhaite être dans 272 km. On applaudit Franck Pancolé qui a déjà terminé Paris-Roubaix parmi les cinq premiers. Voilà, Franck Pancolé, tous ses amis du Vélo Club de l'Aigle nous ont rejoints alors que nous avons maintenant Solius Ruskis, double vainqueur d'étape sur les routes du Tour de Normandie. Francesco Cabello qui avait gagné une étape sur les routes du Tour, c'était à Brighton. Voilà, Frédéric Finot nous rejoint, vice-champion du monde de contre-la-montre espoir. Il a 23 ans, il est en forme et ce coureur tenace et volontaire, pour ne pas dire teigneux, envie de réaliser un bon parcours sur Paris-Roubaix. Nous retrouvons toujours les coureurs de l'équipe Kelme Costa-Blanca, formation dans laquelle Léon Vidal et Cabello, la Ciola Simensen, qui avait gagné ce coureur norvégien, le Tour de Normandie, et Nassar, le coureur lituanien, donc au championnat du monde. Balsionas avec pourquoi pas d'être la révélation de cette saison. Conversation norvégienne ici auprès du podium. Torresov qui a gagné notamment de nombreuses étapes au Loir-et-Cher. D'espoir du contre-la-montre et à ses côtés Ole Simensen. Cinquième de Paris-Roubaix Espoir. Lui a pris le podium 4 et les encouragements de Monsieur Sibet qui nous a nombreuses épreuves dans les rangs amateurs. Il a gagné en Espagne, il a gagné aux États-Unis et nous retiendrons qu'en France, qu'il a gagné Isberg, qu'il fait également parmi les meilleurs du Tour des Flandres. Nielsen nous a également rejoint pour cette formation Memory Card Jacket Jones, équipe dans laquelle on va retrouver également Jacob Moé qui nous rejoint. Et puis dans cette équipe également, donc Alan Johansson, c'est tombé à des coureurs comme Bamburger qui nous rappelleront également qu'il fut
l'un des plus en vue. 16e, là nous avons Stéphane Barthes, l'ancien champion de France, Laurios, l'Estonien qui avait terminé 5e de Milan-San Remo. Nous retrouvons Tristan Hoffmann qui effectue depuis l'ouverture de la saison un excellent parcours. Et du côté de la formation AG2R Prévoyance, eh bien c'est Mandoja qui nous a rejoint. Arturas Kasputis, Stadieux, un coureur venu du sud-ouest, me semble-t-il, des membres de l'équipe de France, eh bien dans les idées distinguées dans de belles épreuves, mais le succès qu'il met. Voilà, du côté de la signature, dans sa tête, eh bien, défile une sorte de film où chacun des secteurs pavés a véritablement été posé sur la pellicule cerveau, alors que nous rejoindra-t-il Roger de Vlaeminck avec un doublé Paris-Roubaix Tour des Flandres, André Schmil, l'homme qui a gagné Paris-Tour, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Milan-San Remo. Il n'a pas tendu les bras, il est allé chercher la victoire, 10 km exceptionnels d'un exploit où, avec jamais plus de 20 secondes d'avance, c'est le vainqueur sortant de cette épreuve. Et André Schmil nous confiait hier l'enquête sur les routes du Tour. Derrière lui, croire qu'il pense évidemment, nous avons également Matteo Pérez qui nous a rejoint. Là, c'est Christophe de Tillou qui avait gagné sur les routes du Nord la Porte de l'Artois. Nous retrouvons également, toujours du côté de la signature, Matteo Colleoni, Paul Van Ift. Toujours maintenant les coureurs de l'équipe Rabobank. Il a été l'an passé parmi les... Et au championnat du monde, on avait également Matteo Pronk, double vainqueur d'étape au circuit des mines, et Heyman, Matthew Heyman, qui nous rejoint sur le podium, notamment dans les Teleflex Tour, le preuve contre la montre. Et aujourd'hui, bien vraisemblablement, qu'il essaiera d'amener dans les meilleures conditions son leader, Franco Valerini, c'est-à-dire qu'il accélérera progressivement avant la première Albi. Chacun se souvient du punch du champion italien qui était à la tête de sa formation. Là, nous retrouvons à la signature donc des coureurs comme Guerra, Thierry Gouvenou, vainqueur de Paris-Roubaix amateur. Les Normands sont là, Thierry. Quentin Casper, sur les pavés, la trouvera beaucoup plus facilement. Là, nous accueillons Franck Perk, qui fut médaillé de bronze au championnat du monde de poursuite par équipe, médaillé d'argent. Emmanuel Magnat, meilleur français l'année dernière sur les routes de Paris-Roubaix. Le vainqueur de 1997, le breton Frédéric Guédon. Frédéric Guédon qui vient de réaliser un bon parcours. Franck Hoy, le Christophe Mongin, il a souvent réalisé de bons Paris-Roubaix. Et on sait que cette année, Francis ne pense qu'à Paris-Roubaix. Derrière, nous avions donc Hunter, le coureur qui nous vient d'Afrique du Sud. Et là, pour le compte de l'équipe Seiko, nous avions tout à l'heure, eh bien, les coéquipiers donc de Salvatore Comesso, alors que rejoint également pour le compte de l'équipe Vini Calderola. Et puis il y a des jeunes qui vont découvrir Paris-Roubaix. Donc Pérez Rodriguez, Rebello ou encore Juan peloton professionnel, Alexandre Chouf. Et il faut rappeler que Chouf également a brillé dans des belles classiques comme Paris-Évreux ou Paris-Aisy. Et là nous accueillons Fabrice Alençon, un bon tour de l'avenir l'année dernière, coureur qui avait connu le podium sur le championnat de France. Et il fait également sur les routes bretonnes. Cœur de Gant-Wevelgem quitte le podium, on applaudit Gerd Van Bont, vainqueur de Gant-Wevelgem 2000. C'est le coureur Janek Tombak qui nous rejoint, coureur de l'équipe Cofidis. Le deuxième du récent Tour des Flandres, Lampre Leguin. Là, il va passer dans une région qu'il connaît bien. Les deux épreuves les plus importantes. Il devrait découvrir cette année le Tour de France. L'Écossais David Millar, qui fut maillot jaune sur les routes du Tour de l'Avenir. Il avait gagné étape aux 3 jours de la panne. Et nous rappellerons, bien entendu, qu'il fut brillant dans le critérium international où il avait terminé à la 2e place. Ah, du côté de l'équipe Patrick Quickstep, il y a le plus grand nombre de classiques parmi les coureurs en activité. Johan Museeuw, triple vainqueur du Tour des Flandres. Il a gagné Paris-Roubaix. Il fut également champion du monde avec l'équipe Farm Frit. Et dans un instant, Servec Naven. Auparavant, Franck Andreu nous rejoint. Il a des Belges, mais il vient des États-Unis d'Amérique. Il n'est ni belge ni hollandais. Il a croisé la signature Vyacheslav Ekimov. 3e
de Paris-Roubaix. William, il regarde vers la victoire, là nous étions avec Damien Azon. Claude Grossman doit normalement se distinguer. Cyril Dessel qui nous rejoint, le vainqueur au Luxembourg. Là nous sommes toujours avec les coureurs Leonardo Giordani, le champion du monde espoir de l'équipe face à Bortolo. Vitesse pour ce coureur qui avait gagné de nombreuses étapes. Il a brillé à la Vuelta, il s'est distingué dans les épreuves de la Coupe de France. Nous retrouvons maintenant l'Italien Marco Cerpellini, brillant depuis... Là, c'est le double champion de France, Eddy Seigneur, qui réalise un bien beau volet, l'homme de l'Oise. Derrière lui, eh bien, nous retrouvons le champion des États-Unis d'Amérique, Martin Jamison, qui avait commencé sa course en France, en Bretagne, sa carrière. Là, nous retrouvons le vainqueur sortant. Il a gagné le Tour de Lombardie, Andrea Tafi, qui a été troisième, deuxième et vainqueur. Nous rappellerons également qu'il est triple vainqueur du Tour de l'Asie. Il a retrouvé à ses côtés un autre Italien, Gianluca Bortolami. Plusieurs fois, à croire qu'il a gagné 4 étapes du Tour de France, Dimitri Konitschev, homme régulièrement placé dans les épreuves de la Coupe du Monde. Il fut d'ailleurs vice-champion du monde. Et sur les routes du Nord, il avait gagné à Fourmi. Grégory Lapalu, un homme qui a quitté le cyclocross pour se tourner vraiment vers la route. Et on sait bien évidemment que les cyclocrossmen ne sont pas les plus maladroits. Sur Paris-Roubaix, les victoires de Roger De Vlaeminck ou encore celle de Marc Madio, l'un à 4 reprises, l'autre à 2 reprises, sont là. Italien qui fut vainqueur d'étape sur les routes du Tour du Danemark. Là, c'est Guillaume Auger. Il a été champion d'Europe du contre-la-montre, 5e des championnats du monde. Guillaume Auger qui fut, rappelons, dossard de Ludovic. Et Ludovic porte le dossard de Guillaume. Il va falloir changer les franges. Ah, dans l'équipe Deutsche Telekom, Stephen Weismann, plusieurs fois vainqueur de la course de la paix. Équipe Deutsche Telekom, ce coureur qui a gagné la course de la paix à plusieurs reprises. Le Tour des Flandres l'a mis évidemment avec beaucoup d'ambition, alors que c'est Laurent Desbiens, le coureur venu de Lille, qui fait notamment vainqueur des 4 jours de Dunkerque. Rolf Aldag ou encore Danilo Hondo, qui est passé de la piste de bois puisqu'il avait été formé sur l'école de la piste en Allemagne. On l'avait vu d'ailleurs à plusieurs reprises à l'Open des Nations au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et nous parlions tout à l'heure, eh bien, de Danilo. Il n'a que 19 ans, on peut applaudir Eddy Longo. Et notamment Denis Zanette, vainqueur d'étape au Tour de Sardaigne, au Tour d'Italie. Il avait commencé sa carrière sur les routes françaises avec une place d'honneur lors des 4 jours de Dunkerque où il terminait parmi les meilleurs. Voilà l'équipe Ligigas qui continue de nous rejoindre avec Giancarlo Raimondi. Également donc Fabio Marc. Je salue au hasard un ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Jean-Marie Wampers. La silhouette est restée la même alors que là nous sommes avec Alexandre Fedenko. Donc le champion national d'Ukraine, vous le voyez avec son maillot jaune et bleu, est meilleur. Voilà pour le compte de l'équipe Vini Caldirola, Van Steins. Attention à lui, vous savez que toute épreuve a des révélations. C'est le baptême pour le champion. Nous rejoint, merci de l'applaudir, champion national de Lettonie. Il a gagné Paris-Bruxelles sur les routes du Tour des Flandres. Il fut très actif et on attend beaucoup de ce coureur qui avait achevé sa carrière amateur sur les routes françaises. Il a terminé parmi les meilleurs, le coureur de l'équipe Deutsche Telekom fut 9e, mais rappelons qu'il fut 3e des championnats du monde. Il a gagné Safrat, que nous avons rejoint également, auteur de bon parcours. Krapsch, qui nous a rejoint, double parmi les meilleurs sur les routes de la course. As de 2e, 4 fois maillot vert du Tour de France, San Remo. Il était 4e du Tour des Flandres. Il espère bien réaliser quelque chose de grand aujourd'hui sur Paris-Roubaix, le leader de l'équipe Deutsche Telekom. Marc, que nous saluons, une dernière ce matin. Eric Zabel a un total de 140 points. Drey Schmil,
et deuxième à 108 points. Mais surtout, ce qu'ils veulent l'un et l'autre, c'est évidemment gagner Paris-Roubaix. Nous avons vu tout, ça et là, eh bien, Roger De Vlaeminck, qu'on a aperçu également, donc Gilbert Duclos-Lassalle. On a vu Jean-Marie Wampers, Dirk De Moll, Marc Madiot qui dirige l'équipe de la Française des Jeux. On a vu également Laurent Fignon qui avait terminé troisième de Paris-Roubaix. Allez. Eric, s'il te plaît. 33, Steven De Jong. 34, Patrick Roux. 35, Léo Bonfin. 36, Marc Le Wander. Ensuite, 40, Maxime. Et puis, Patrick Le Voyon. 41, Lina. 66, Tombac. 67, Moreau. 68, Tristis. Équipe Vitalicio Seguros. Certelli. 96, Titus Rouge, 98, Verstappen, Steitz, 102, Apollonius, 103, Vorkolani, 104, 105, Milesi, 150, Dinder, 204, Stinger, 156, Hernandez, équipe US Postal, 161, André, 169, Equimov, équipe Saïko, 171, Comesso, 173, 174, Pira, Pilouzic, Rich, Thierry, 16, Codo, 214, Sébastien Joly, 215, Damien Azon, 218, Salonçon, équipe Dismat Aubert, 93, 221, Guillaume Auger, 132, attention, après, il va falloir vous écarter, il y a les voitures qui vont passer. Hein. Attention aux véhicules, serrez-vous, poussez-vous, il y a les véhicules. Reculez-vous. Reculez-vous, s'il vous plaît. We'll be right back.